Et salut à tous et à toutes, c'est Roulian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne sur FIFA 22 pour l'épisode numéro 2. On va commencer le championnat et surtout le mercato. Donc tout d'abord, merci pour vos retours, pour tous les commentaires. Vous m'avez proposé pas mal de joueurs, donc on va revenir ça juste après. Je vous avais aussi posé la question si vous préférez que je laisse le jeu en français et du coup, il n'y a pas les sponsors sur les maillots, ou je mets le jeu en anglais et du coup, il y a les sponsors sur les maillots. Il y a eu beaucoup de jeux en anglais et on met les sponsors. Il y en a aussi une personne qui voulait que j'aille en français. Du coup, j'ai décidé pour vous, je vais me faire un petit peu chier, mais on va faire les deux, c'est-à-dire que je vais laisser en français. Et quand je vais lancer le match, je vais quitter, je vais mettre le jeu en anglais pour que bah, pendant le match, il y ait au moins les sponsors. Donc j'essaie de faire ça à chaque fois. Je vais essayer pour l'instant, après, c'est que pendant un moment, ça va me faire chier, j'aurai la flemme. Mais on va essayer au moins pour cet épisode et pour les épisodes prochains et on verra comment ça se passe. Du coup, pour le mercato, alors j'ai vendu des joueurs. J'ai vendu des joueurs entre temps, j'ai fait la pré-saison, j'ai perdu en finale. Donc j'ai tout simulé sauf la finale et j'ai perdu en finale. Voilà, je perds 2-1 là, 95e je crois. Du coup, le mercato, je vais vous montrer qui j'ai vendu. Donc j'ai prêté Nokwe, j'ai prêté Fall au Toronto. Donc il y a beaucoup d'États-Unis. Hein. Diusse, je l'ai vendu à Strasbourg pour 2 550 000. Kolodziejczak, j'ai vendu à Très Bon Sport. Sissoko, je l'ai vendu en Turquie, alors c'est toujours pareil. Donc Turquie, France et États-Unis. Donc voilà qui on a vendu. Là j'ai eu une offre juste avant, je vais vous montrer. Alors c'est dans les notifications. Voilà, Boudbouz, j'ai reçu une offre de transfert pour Riyad Boudbouz de Beşiktaş. 3 600 000, je pense que je vais accepter. Alors il y a mon chien qui aboie, je sais pas si on l'entend, je suis désolé. Du coup, je vais quand même aller négocier. Au début, j'avoue que pendant un moment, je voulais plus trop le vendre. Mais j'ai eu vos retours et il y en a beaucoup qui me disaient il y a un abonné qui me disait de virer les cadres et prendre des jeunes. Donc je pense que je vais l'écouter et je vais quand même vendre le petit Riyad Boudbouz. Donc il me propose 3 millions 6. Allez, je vais accepter 3 millions 6. C'est quand même plutôt correct. C'est quand même au-dessus de sa valeur. Donc voilà, donc le mercato. Qui je vais recruter? Je vais vous montrer qui. J'ai noté tous les joueurs m'ont proposé. Donc m'a proposé le retour de Cissé en l'axe. Alors j'ai vu que Cissé, il est en fin de contrat. Donc je pourrais peut-être l'avoir gratuit au mercato hivernal. Donc pourquoi pas ne pas le recruter et le prendre gratuit au mercato hivernal. On m'a proposé Juano Mestre, que je ne connais pas, je vous avoue. Donc j'attends de voir son général. On m'a proposé Michou. Alors pas youtubeur, mais le joueur qui joue au PSG, qui a un beau potentiel milieu de terrain. C'est vrai que ça peut être intéressant à voir. Après le milieu de terrain, je pense pas que c'est ma priorité absolue, parce que j'ai quand même un petit peu de monde. On proposait Matina de Monaco, Dani Ljuč, alors j'ai désolé pour la prononciation, de Nice. Bon, lui, je vais pas le prononcer, parce que voilà, mais l'arrière-gauche qui a été proposé à Saint-Etienne dans la vraie vie. Lui aussi, je crois, non, pas lui. Mais lui, soi-disant, c'est une grosse pépite, le Messi polonais, de ce qu'on m'a dit, qui a un gros potentiel, 17 ans, donc... C'est lui qui m'a fait que je vais vendre Boudbouz, parce qu'au début je voulais le garder. Mais au final, il avait l'air vraiment pas mal, du coup je vais peut-être le recruter et voilà. Simon, de Xavi Simon, l'ancien Barcelonais et au PSG. Rick Deval, lui qui va peut-être être un peu plus cher, je pense. Et Timothée Kerrer, que j'avoue que je pensais qu'il avait plus de gens que ça, donc il est plutôt dans mes budgets. Mais j'avoue que je pense que je vais pas le recruter parce que c'est pas très réaliste. Hein. Il a un salaire assez énorme qui est pas du tout possible à Saint-Etienne. On n'a pas pu recruter Germain, hein, donc bon, je pense pas qu'on peut prendre Kerr dans la vraie vie. Sinon, je vais peut-être recruter aussi un buteur, donc n'hésitez pas à me proposer un buteur, les gars, parce que en fait, je me rends compte que j'ai que deux buteurs, et peut-être que je passerai en 4-4-2 par moment, c'est-à-dire que j'aurai pas de remplaçant, donc n'hésitez pas à me proposer des buteurs. Donc voilà, on va lancer le match comme ça. Pour l'instant, je vais pas recruter, j'avoue, je me suis même pas renseigné sur les joueurs, j'ai pas été voir sur les sites leur note générale, leur potentiel. Donc, attends, il reste combien de temps de mercato? 1, 2, 3. J'ai quand même la possibilité de jouer les 3 matchs de cet épisode. On fera 3 matchs par épisode. Et ensuite, je pourrai recruter. Donc, peut-être qu'on va pas recruter dans cet épisode. Je verrai. Je verrai. Mais j'aimerais bien attendre au moins leur note générale. Du coup, la compo, je pense qu'on va partir comme ça, les gars. Ouais, on va partir comme ça. Donc là, du coup, je vais juste quitter et mettre en anglais pour pouvoir mettre les sponsors. Du coup, nous, on se retrouve tout de suite pour le match. Jouer. Bien joué, la caméra. Allez Arnaud. Le sort de Casri pour Casri. Oh la retournée complètement foirée. Pas fini. Bien joué. Et frappe. C'est pas fini.
Allez! Oui! L'ouverture du score, les gars. Bien joué, l'ouverture du score. 10 minutes de jeu, on mettait un tout petit peu la pression. Et Denis Bangua, le premier buteur de la saison. Ça fait plaisir. Voilà, on démarre bien la saison pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, mais on s'en fout. On va pas essayer de reprendre exemple. Et voilà, Camara, la petite passe D. Et Denis Bangua, la finition qui est bonne. Je rappelle qu'on joue en légende, les gars. Premier but, donc forcément, oui, j'ai mis en anglais, hein, du coup. Hein. Donc voilà, je me suis fait chier, mais je pense que ça vaut le coup. Oula. Ouh, la reprise. Ça passe à côté, première réaction de l'Orientaise. Ça passe à côté, mais attention. Attention, attention. Non. Non, non. Le moine, pas toi, le moine. Tu peux pas nous faire ça. Bien joué, Green. Allez, hors jeu. Bien joué, la récupération, on est où? Allez, on se projette vite, on se projette vite. Il est parti, Manga, il est parti. Bien joué. Remets pour Neyou. Ou il appelle de Camara. La petite passe pour Kazri. Oh, je suis gourmand. Oh, je suis gourmand, les gars. Ah, je sais pas pourquoi. J'ai tiré fort. Au dernier moment, j'ai rajouté la petite touche qui fait le ballon piqué. Je sais pas pourquoi. J'étais vraiment trop gourmand alors qu'il y a que 1-0. Allez, au chiche, là. J'ai au chiche. Allez, ça part. L'encontre. Il faut que ça aille vite. Bien joué, Kazri. Le 1-2, magnifique. Allez, Manga, accélère. Oh non, j'ai trop poussé. Ah, j'ai trop poussé. Dommage, j'avais moyen de mettre le break. Je pensais que ça aurait suffi de pousser le ballon, mais non. Du coup, mi-temps. On regarde les stats. 2 tirs à 6, on domine. On domine, clairement. Donc, on n'est pas à l'abri non plus. C'est pas non plus une grosse domination, mais on domine quand même. J'ai oublié de mettre. À un moment, il revient de blessure. J'ai oublié de le mettre sur le banc. Bon, tant pis. Ramirez qui a pris un plus 1, je crois. Donc, on a quelques joueurs. On n'a pas grand chose sur le banc. On va pas se mentir. On fera rentrer Ramirez. Youssouf. Peut-être Gourna. Mais après, c'est tout. Quoi. Du coup, c'est parti. Bien joué, Masson. Super tacle. On remet tout de suite. Au Kazri. Au Kazri. Ça passe à côté. Dommage, la belle récupération de Masson. Au chiche qui met bien pour Wabi Kazri. La frappe croisée, malheureusement. C'est pas cadré. Ouais, dommage. Dommage, Masson. Non, 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 Green. Bien joué, la sortie de Green. Ouais, fait du bien, ça, là. Non. Oh, Green, magnifique. La plus grosse occasion de l'Orientaise qui essaie de pousser, là, pour essayer d'égaliser. Enzo le fait, très prometteur. Qui envoie une grosse frappe et Green a vraiment magnifique détente. Rien à dire, belle parade. On pourra faire nos petits changements du coup. On va faire entrer Ramirez à la place de Kazri. Mais Youssouf à la place non, de Camara. Ce Neyou, je le trouve très bon. Faut que je change le poste aussi de Youssouf parce qu'il n'est pas à son poste. Et sinon. Bah, sinon, on va essayer Rivera. Allez, pas en ordre. Allo chiche, on défend. Non, non. Ouh, magnifique Green. Oh, on est dominé là, clairement. Et je sais pas si le gardien ou le défenseur, si j'ai taclé Moukoudi. Non, c'est la magnifique parade de Green. Bien joué. Allez, pas de but, pas de but. Tu l'as. Oh lolo, lolo, qu'est-ce qui m'a fait trop cool là. Oh là là, on s'en sort bien là. Arrivera. Tu es frais, frérot. Ok, ça commence bien. On passe en défensif là, parce qu'on est dominé. On est dominé, les gars. On va essayer de serrer les fesses. Oh là 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 là. Et on n'a pas réussi à serrer les fesses. Et on était dominé, clairement, depuis déjà pas mal de minutes. Et c'est. Je connais pas ce joueur. Je crois pas qu'il est alors dans la vraie vie. Dans le jeu, il a dû le recruter. Ou peut-être que je me trompe. Ah, y'a rien à dire. Là, Green il peut rien faire. Pourtant, il est pas loin de la choper, je pense. Et forcément, quand tu mets Moukoudi capitaine, c'est compliqué. Hein. Ah, il est pas loin là-bas. Mais il peut rien faire sur cette action. Ça fait un but partout. J'ai fait des changements en plus. Alors, je sais pas si c'est Rivera et Ramirez qui vont réussir à. Voilà. À me sauver. Mais attention, parce que là, c'est compliqué là. Faut pas perdre les. Oh lolo lolo le poteau. On est clairement dominé. On a fait une très bonne première. Prendre la deuxième, c'est une cata, les gars. Attention à Ergo.
Tu l'as? Non. Oh là là. C'est la catastrophe, les gars. Le golf 2-1 qui avait marqué contre Saint-Etienne dans la vraie vie en plus. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, les gars. Oh, ça ne joue à pas grand chose en plus. Oh là là! Ça joue vraiment à un millimètre, quoi. Je suis dégoûté. Ah non, ok, j'ai rien dit, non. Ok, j'ai rien dit. Bon, bah ça fait 2 buts 1. Alors. Rivera. Oh la reine de Nordi. De Nardi, pardon. C'est pas fini, Ramirez à tête. Oh! Oh, il avait tenté la reprise, dommage. Touche là, Youssouf. Un jeu. Allez, Banga! Oh, dommage, putain. C'est fini. Ouais, voilà. 3 buts 1. La défaite, alors qu'on mène 1-0, qu'on fait une super première mi-temps. On est vraiment passé, mais complètement au travers la deuxième. On s'en prend 3, les gars. 3 buts. Et bah voilà. On est au niveau Saint-Etienne. Même Saint-Etienne avait fait mieux quand même. Saint-Etienne avait réussi à faire un match nul. Et nous, on arrive à perdre. Et voilà, c'est terminé. Je crois qu'on va se retrouver tout de suite pour le mercato, parce que là je crois qu'il y aura besoin de recruter, parce que là c'est vraiment compliqué. Du coup, à tout de suite. Bon, du coup les gars, nous revoilà pour le deuxième match de cette vidéo. On va jouer le RC Lens, donc ça démarre très mal. J'ai vendu Riyad Boudbouz, il est parti du coup au Beşiktaş pour 3 600 000. On a un beau budget mercato les gars, on commence vraiment à avoir un budget intéressant, on a plus de 25 millions. Du coup on va essayer de recruter quelques joueurs. Déjà il nous faut un 10, un remplaçant à... comment il s'appelle, Aouchiche. Du coup, bah, on m'a proposé le petit Kostowski, je sais pas trop comment ça se prononce, polonais. Ça peut être intéressant, tatouage technique, tatouage mauvais pied. Alors je crois qu'il a 68 de général, 85 de potentiel, donc il sera pas titulaire forcément. Mais bah, en progressant, il pourra peut-être... après Aouchiche est très fort aussi, mais voilà, ça peut être intéressant. Il peut jouer MC également, donc je pense que je vais le recruter. Derrière, il me faut absolument un défenseur central. Parce qu'il y a Sou qui est titulaire, que son aide de général, c'est un petit peu juste pour être titulaire, je pense. Je pense à Dani Luch, ça me semble plutôt pas mal, 80 de potentiel, je crois. Puis il a déjà 113 de général, ce qui fait qu'il peut déjà commencer titulaire. C'est aussi ça que j'ai besoin, par exemple Matsima qui est peut-être pas trop, enfin qui a l'air d'avoir un beau potentiel. Mais il a que 109, et pour être titulaire tout de suite, c'est un peu juste, parce que là, le long terme est intéressant, mais il faudrait aussi du court terme. Et sinon, il y a Mestre aussi qui est pas mal, mais enfin il a pas de potentiel par contre. Il a 80 de général, mais 80 de potentiel, c'est un peu dommage. Mais très bon. Ou sinon, il y a le retour de Cissé. Mais vu que c'est en fin de contrat, pourquoi pas le prendre gratuitement au mercato hivernal. Donc je pense que je vais recruter le petit Kolowski et le petit Dani Luch. Et voilà, et on là, on sera plutôt correct. Et peut-être qu'il manquera un buteur. Alors, je sais qu'à moi, j'ai pensé à ça, à moi, et buteur cette année. Donc on n'a peut-être pas forcément besoin d'un buteur. Mais n'hésitez pas à me proposer un buteur comme dans les commentaires. Et aussi un arrière-droit, parce que j'ai pas d'arrière-droit avec Masson. Donc voilà, si vous pouvez me proposer ça les gars, ce serait cool. Du coup, je vais recruter ces joueurs et on se retrouve juste après. Du coup les gars, nous revoilà. Du coup, on a recruté les deux joueurs. Donc je voulais vous montrer tout de suite. Ils sont en réserve. On a le petit, voilà, Kolowski, 68 de général, MOC, 4 Gesting, 4 mauvais pied. Elle est intéressante, une bonne vitesse, une très bonne accélération, très agile. Un petit gabarit, je sais pas combien il mesure, mais il doit être petit, je pense, ça peut être intéressant. Et le petit Dani Luch qui va lui... être direct titulaire à la place de Sow qui est bon, hein, qui a un beau potentiel, mais c'est vrai que Dani Luch, bah, il est quand même un peu plus important. Du coup, voilà, n'hésitez pas les gars à me proposer un arrière-droit à recruter parce que j'ai pas de remplaçant à Ivan Masson. Et sinon, au milieu de terrain, j'ai pas besoin de recruter, moi, proposer des milieux de terrain, mais c'est vrai que j'ai quand même Camara, Neyou, Gourna, Youssouf et encore Mouefek que je vais essayer de prêter. Donc les postes sont doublés. En ailier, on n'a pas besoin. Ah, quoique. On a Banga, Nordin. Ah oui, ici, Brian, ouais, si, on a besoin d'un ailier parce qu'on a que Saban en remplaçant et Rivera. Ouais, non, en fait, si, proposez-moi un ailier, en fait, j'ai pas pensé à ça. Et un ailier, ailier droit, ailier gauche, peu importe. Je crois pas qu'on m'en avait proposé. Non, on m'a proposé surtout défenseur de milieu, pourtant j'avais pas demandé d'ailier, donc c'est aussi pour ça. Donc, les gars, proposez-moi un arrière droit, un ailier gauche ou droit, peu importe, et pourquoi pas un buteur. Mais jeune, prometteur, qui peut être intéressant, mais sans plus quoi. Enfin, sans plus si, mais pas un titulaire quoi.
Du coup, je suis content d'avoir eu cette conversation, ce transfert avec vous-même. Ah oui, parce qu'il gueulait parce qu'on ne recrutait pas. Bon. Du coup, les gars, on va tout de suite partir, les gars, pour le deuxième match de cette vidéo. Donc, comme d'hab, je vais mettre en anglais offre de prêt pour Saban. Bon, on va accepter, sauf qu'on va enlever l'option d'achat, parce que du coup, je vais recruter un ailier. Alors, déléguer, et on enlève l'option d'achat. En espérant qu'il puisse progresser à la gantoise. Du coup, les gars, on se retrouve tout de suite pour le match. Allez, c'est parti, les gars, pour le deuxième match du championnat face au RC Lens. On va essayer au moins de ne pas perdre, parce que bon, on commence très mal, forcément. En plus, on perd contre Lorient à domicile, qui est une équipe qui est clairement abordable sur le papier. Donc si on commence à perdre ce genre de match, ça risque d'être un peu plus compliqué face à des équipes déjà plus fortes. Donc voilà, on va essayer déjà de commencer notre championnat, de prendre des points, bien jouer ça. Allez Oshish, t'as l'espace. Allez Oshish. Bien écarté ça avec Arnaud Nordin. Nordin. Trouve Youssouf. Ah, c'était compliqué la passe, mais... j'ai tenté les gars. Ouais, attention, avec close, allez Troco, défend. Non, non, close, il nous met cher, les Bangas revient. Green, quelle parade de Green. On a eu très chaud les gars, on est pas bien, on n'est pas bien. Enfin, c'est la première occasion hein, des Lensois, mais pff, je sens pas ce match, je sens pas. On a peut-être un contre comme avec Nordin. Allez, t'es plus rapide Nordin, t'es plus rapide, t'es plus rapide. Il avance encore. Perds pas, bien joué. Camara. Perds pas Oshish, bien joué. Youssouf, Denis Banga. En ce moment. Ouais, y a pas trop de solutions. Si on trouve Ouais, joli Oshish, je ballon. crois. Directement. Je souffle. Attention! Joli tir. Mais non! Mais c'est une blague! On n'a pas de chance, les gars! Youssouf qui récupère le ballon, enfin qui remet le ballon dans l'axe. Et l'ouverture du score lensois, c'est une catastrophe. Cette carrière commence vraiment mal. Allez, au niveau de Saint-Etienne, c'est incroyable. Youssouf qui est devant, qui. Voilà, la passe des Youssouf. Green qui peut. Ouais, bon. Bah. On est mené, mais il se passe rien. Je crois qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait un tir, les gars. On n'a pas fait un tir. C'est compliqué avec cette équipe. Oh là là. Ah, c'est une cata. C'est une cata, les gars. Ça va être compliqué la saison. La saison va être comme dans la vraie vie. Bah, ça va jouer le maintien, quoi. Ouais. Oh là là. Oh là, on va se prendre le deuxième. Attention à la frappe. Oh, Green là, qui nous permet de nous maintenir en vie parce que là, le 2-0, coup sur Bonne coup. course. Et dès qu'on prend un but, il n'y a plus rien parce que Lorient, c'est pareil. On mène 1-0, on se prend deux buts en 2 minutes. Là, on était pas loin de se prendre le deuxième et encore, c'est pas fini. Même si ça est fini depuis déjà 20 minutes. Intervention Ouais, défensive dégage. de classe. Ouais, Thomas mi-temps, ah, Partey c'est compliqué, c'est et compliqué. Je pense que c'est le système de jeu qui est peut-être pas bon parce qu'Azri est trop esseulé. Aouchi, c'est un peu juste. On va regarder les stats. Bah 0 tir à 4. Voilà, donc bon. Pas forcément regret, on mérite pas mieux, hein, mais. Ils ont pas tant que ça de cause non plus. Hein. C'est vraiment un match de merde, hein, on va pas se mentir. On va laisser comme ça pour l'instant. On fera rentrer le petit Kolowoski, je sais pas quoi là. Le Saint-Étienne Polonais. mène donc À la de place 2 buts d'Aouchiche, qui a du mal à 1. aussi, Aouchiche. Hein. Et pourtant, on a des phases de jeu, on a des actions, mais c'est la dernière passe qui est pas bonne. On n'arrive pas à se procurer des occasions. Triple les passes. Oh là là. Oh, la bonne occasion. Oh, la Oh passe là de Nordin. là, quel arrêt de Green qui nous maintient. On n'arrive pas, on est nul, on est nul. Allez, allez, allez. Il y a pas mal de monde pour le presser. Oh là là, Qui est on le est. premier sur cette passe? On est en retard partout, on est en retard Les buts qui partout. se succèdent et le public qui sent que son équipe en a encore sous le pied. Oh, il se balade à l'élan soin. Et c'est contré par le défenseur. Un petit peu l'espace peut-être là, les Oshish avec Bonga. Grand espoir du football. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de Oh, je sais pas trop prospection, quoi de faire. supervision. Un jeu derrière. Et c'est vrai qu'on peut comprendre avec ses qualités Allez, Kazri! bien sensibles. Oh la frappe! La première frappe du match. Et Enfin une occasion déjà. C'était bien joué, c'était une belle action. Maintenant le gardien était dessus, c'est pas suffisant pour égaliser. Petit centre, mais Camara pour se Oshish c'est passe. compliqué. Ouais, Camara s'il te il a le plaît. ballon, mais le danger est écarté. Youssouf, Kazri. Kazri. Kazri! C'est pas Oh, possible! Oh là là! attention. Superbe réflexe dans les Est-ce qu'on fait buts. le changement? On va attendre encore un petit peu, les gars. On va attendre un petit peu. Ah, clairement, ils vont tenter de Prochain venir arrêt de jouer jeu, on à va faire des l'attaque là changements. maintenant. Avec Kazri, le corner, Et pourquoi c'est pas? parti pour Dani! ce corner. Ça revient, touche à Troco.
Oh mais sérieux, trop cool! T'as un joueur devant toi! Non mais je le remets, mais c'est... Oh là, c'est encore moi qui la remets, hein. Allez, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué, Nardin. Le centre, corner. Bon, on a un corner. C'est mieux que rien, les gars. On va passer en ultra off, les gars. On a plus rien à perdre. Et Mukudi! Allez! Encore! C'est pas fini, Kolowski. Bien joué. Ouais, il a le temps de centrer. Faut pas perdre. Kolowski, la frappe, c'est contré, il y a encore un corner, il y a encore un corner les gars, on pousse. Allez, une dernière On opportunité pousse pour pour essayer de l'Inter. revenir. Allez le corner. Romain Mouma. Bien tiré le corner là. Un corner qui sera dégagé. Allez Dani, oh putain. Ouais, il a levé son Je reviens ballon. pas hors jeu. Oh là là, j'ai Le fait sortir le joueur pense gardien qu'il est bêtement. porteur. Et voilà. Comme contre Lorient, puni en fin de match en contre. Voilà, c'est ma faute, je fais bêtement sortir le gardien, les gars. Mais je pensais qu'il y avait hors-jeu, gros. Bon, vas-y, je m'ai passé. Attends, mais il n'y avait pas hors-jeu, c'est qui couvrait, là? Parce que vraiment, pour moi, il y avait hors-jeu. Hein. Ah, putain, mais ouais, mais c'est quoi? Regardez le placement, les gars, bah, il est dans son camp. Voilà, ça, je vois pas grand-chose. Ouais, mais force, putain, mais c'est quoi? C'est vrai, moi, je peux pas contrôler les défenseurs, mais là... Et les voici donc avec deux buts Oh, je voulais d'avance même sur pas faire une l'Inter. passe, je vais faire une fin de frappe. Bon, bah, c'est la catastrophe, hein, clairement. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Ouais, la voilà qui Voilà, n'arrive pas. 3-0, allez hop, on Ouais, rentre à la maison. c'est Et voilà, c'est fini, défaite 3-0. sifflet final. Et C'est sévère, je fais n'importe quoi sur le l'Inter dernier qui but, remporte la mais on rencontre. mérite de perdre, hein. Même si on a fait une bonne deuxième, je trouve. On fait que 5 tirs, ils font 9, voilà, défaite logique, y a rien à dire. On va se retrouver tout de suite pour le troisième match face à Lille, ça va être encore plus dur. Mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Alors on est parti les gars pour le dernier match de cette Sans vidéo. entrée. On a changé de Ouais. système de jeu les gars, parce que là ça va plus. On est passé en 4-4-2 avec Amouma Je et vois. Kazri devant. Sinon le Ouais, reste c'est la c'est même pas compo. mal du tout. Neyou qui refait une place de titulaire parce qu'il était L'ancienne fatigué. pointe de la Liga Il Endurance n'était pas qui apte à jouer s'affronte le dernier match. affronte le Mais voilà, Mancini on va essayer de faire ce qu'on peut. Lille est 5ème, ça va être très dur, mais bon. avec le match tourné. On va voir. Ouais, je sais Attention, pas il se prendre un but dès le concentre là. début. Non, non, les gars, les gars, les gars, les Ouais, gars, tout les gars, seul les gars, chez les gars, les Hassan. gars. Et Green, le ça gardien commence très qui mal. remet le ballon. Ouais, pas trop de solutions. C'est n'importe quoi! Presse haut, attention à ce ballon. Mais c'est une catastrophe. Ah oui, il cherche un partenaire dans la Je profondeur. fais Oh, n'importe il quoi, j'arrive cherche pas, les le gars. fait J'arrive vraiment pas. sentiment subtilisé dans les pieds de l'adversaire. Beaucoup de Oh là là. pression. Camara. Ça va faire un peu tourner là parce que là. Quoi? Ouais, faute contre Saint-Étienne. Quoi? Et là, Quoi? l'arbitre siffle, je sais. Mais what? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le ballon? C'est moi qui avais le ballon, j'ai quand même fait faute. Ah, il a fait une main en tête. Ah, ok. J'ai rien dit. Et évidemment, Oui, c'est j'ai un mis les corner mains. pour Lille. Avant, je mettais pas Sifflet les au mains. moment Je pensais pas qui activer. suffit. Là, j'ai mis les mains pour que ce soit Retour plus des réaliste. négociations et Du toutes coup, sortes de voilà. rumeurs. Une transaction qui a mis fin donc à une longue période de prospection, de supervision. Non, 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 Sifflet non, au bah moment de ouais, la oh décision. là Ligne de l'Éloire. là. Allez hop. Next. Et C'est coup une franc catastrophe, les gars, c'est sifflé. incroyable. Voilà, le score Dis-toi est qu'on est clos. 20ème dans la vraie vie, et ces trois matchs-là, on les avait pas perdus. Hein. Donc imagine après. Hein. Non mais sérieux! Un ballon piqué, parfaitement dosé. On voit ce magnifique enchaînement et cette remise Je. Ouais, excellente. ouais. Et derrière Je sais plus quoi le faire, je coup pense franc qui que va j'ai besoin de vos conseils là, je crois, parce que sifflé. je veux, on est en légende, je compte pas Voici descendre de Karim niveau, c'est hors Benzema de qui question, remet le ballon. parce que moi c'est réaliste, hein. On galère, Le LOSC va parce qu'en soi les revenir. matchs, bon à Lille ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de souci, hein, donc c'est normal, Le regard défendu, il attend mais je toujours changerai cette pas de frappe. niveau, donc va falloir que je trouve une solution, peut-être trouver le bon Ouais, système de jeu, une sortie en route. parce que là c'est compliqué, hein. Il cherche une Mais solution. oh, je vais péter un câble. Ouais, l'autre fait du bien hein, cette interception. Ouh là là, toi, ouh là là, t'as la chance, t'as lâché ton ballon parce que je vais te faire un putain de tac par derrière. Renato Sanchez. J'allais niquer tes morts. Sans vouloir te manquer de respect, je sais pas c'était qui, mais. Y'a rien qui va, les gars, y'a rien, mais regardez ça, il passe trop facile! Va-t-il parvenir à centrer? Mais il est tout seul, mais.
Et je lui rends. Oh là, non, mais sérieux, les gars, mais c'est une catastrophe! Mais c'est incroyable! C'est incroyable, sérieux! Mais non, mais. Oh là, hop. Allez! 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 Oh, il a failli la rater! Il a failli la rater, ce con! Bon, on revient 3-1, les gars! Mais le pire, c'est qu'on n'est pas vraiment dominé, enfin. Franchement, dans le jeu, on n'est pas médiocre, hein. Et Camara, le pire c'est Camara, je fais pas la passe à Kadri, hein. Camara je tente de tirer. Hein. Et là, Kadri gros, il y a. Oh là 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 là, c'est nul, c'est nul. On revient 3, mais. Je sais plus quoi faire les gars, là c'est compliqué. Hein. Franchement, cette carrière elle va vraiment être. Être difficile. C'est ce que je voulais aussi, hein, que ce soit réaliste. Hein. Mais là, c'est un petit peu trop réaliste à mon goût. Voilà, il y a 4 tirs à 3, les gars. Il y a 4 tirs à 3, ils font 4 tirs, ils marquent 3 buts. Défensivement, c'est une passoire, hein. C'est comme dans la vraie vie. Donc, voilà, je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'il y a un abonné qui m'avait proposé de jouer en 5 défenseurs. Et c'était dans un coin de ma tête. Je pense qu'on va passer à ça dans les prochains épisodes. Parce que là, il faut retrouver une solidité défensive. Parce que là, on se prend beaucoup trop de buts. Et on marque très peu. Donc, bon. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut en deuxième mi-temps, les gars. Voilà. Ouais, ça me saoule. Ça me saoule, franchement, avant la fin du match. Mais là, y a rien, on est. Mouma. Ouais, tire. Ouais. Pas trop d'autres solutions. Au moins, on a une frappe. C'est pour les stats, ça là, c'est pour les stats. Voilà. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Timothy Weah. Et le petit cinquième, on est plus à ça près, les gars. Ballon du sixième, les gars. Ah, il me casse les couilles, il a joué à 2, vous gagnez 5-1. Oh là là, nique ta mère. Est-ce qu'on peut avoir une action? Bon, allez, on fait une règle, soit qui marque, c'est x6. But vainqueur. Ah non, même pas. Allez, c'est fini, défaite 5-1. C'est la catastrophe, c'est... j'ai pas les mots. Défensivement, c'est... on est d'une faiblesse. C'est incroyable, 5 tirs à 9. Ah, c'est logique, mais 5-1, c'est beaucoup trop sévère. Bon, on se retrouve tout de suite dans le menu, les gars. Let's go. Bon, nous revoilà dans le menu, les gars, on est 20ème. Voilà. FIFA 22 est beaucoup plus basé sur le réalisme cette année, au moins on est sûr. J'ai juste eu beaucoup de messages, alors du coup on va répondre. Denis Bouanga pour le vendre, non. Déjà que c'est compliqué si on commence à vendre nos meilleurs joueurs. On n'est pas sorti de l'auberge. Offre de prêt pour Ben Kedim de 2 ans. Pourquoi pas hein. Ouais, vas-y, j'accepte 2 ans, ça me semble pas mal parce que là j'ai Aouchi chez... Et le petit polonais, donc 2 ans, bon, pourquoi pas. C'est une question pour Saban, près d'un an. Ok, donc on se débarrasse de beaucoup de joueurs, par contre là, va falloir recruter, donc je compte sur vous, les gars. Surtout, il me faut un buteur, parce que je me suis rendu compte que je peux pas jouer avec... j'ai 3 attaquants, Kazri, Amouma, qui part en attaquant, mais vas-y, il va jouer comme attaquant. Et Ramirez, et les 3 sont lents. Donc Kazri est un peu moins lent, mais il est pas rapide. Et j'ai besoin de vitesse devant, donc proposez-moi... un attaquant rapide. Voilà, pas forcément fort, mais un jeune joueur rapide. Tombé mon rapport sur... Ah oui, ok. Donc, on va aller voir les rapports des joueurs. Les choses... bon, ça fait plaisir de vous voir. Les choses se passent très bien pour moi. C'est que toute l'équipe, ouais. Bon, ouais. Ce n'est pas le bon moment, clairement. C'est pas du tout le bon moment. On va regarder vite fait les joueurs... Donc, si, si, la santé générale, Mestre 81, Michou 65, Maxima 69, 68, Simon 66. Ok. Donc, les gars, proposez-moi des joueurs. Des joueurs. Donc, il me faut un arrière-droit remplaçant par rapport à Maçon, un ailier remplaçant et un buteur, je pense même titulaire. Peut-être mettre un peu plus sur le buteur. Parce que là, it's complicado, hein, clairement. Donc voilà, un arrière-droit, un ailier, un buteur. Je compte sur vous dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à me proposer aussi des compositions.
Après, ça me ferait chier de jouer en 4K2 parce que j'ai Kalawoski et Aoshi qui sont des purs 10. Donc c'est-à-dire que bah si je joue en 4K2, je sais pas trop si je pourrais les mettre. Donc voilà, ou juste qu'il faut que je trouve les bons joueurs et puis voilà. Mais bon, c'est après c'est le début de FA 22, c'est mes premiers matchs de FA 22, c'est temps que je m'adapte aussi, voilà, on verra. Mais bon, c'est vrai que le calendrier après ça va être compliqué, on joue Marseille, Montpellier, Bordeaux, Monaco, Nice, Lyon. Voilà, on risque d'être 20e pendant encore quelques temps, je pense. Bon, on verra ça, les gars. Du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian, ciao!